Comment une femme peut-elle être enceinte à l'insu de tous et tuer ou laisser mourir ses bébés? Le drame d'Albertville met sous les feux de l'actualité un phénomène peu connu, le déni de grossesse. Alors pour essayer de comprendre l'inconcevable, nous recevons ce soir sur notre plateau la journaliste française Gaëlle Garnalec-Lévy qui a publié une vaste enquête sur le sujet. Madame Lévy, bonsoir. Bonsoir. Prenez place, je vous en prie. Merci. On regarde un petit sujet, on se retrouve juste après. D'accord. C'est pas possible de faire ça. On prend plus d'égards avec un animal, alors rendez compte, faire ça des enfants. La semaine dernière, les habitants de ce quartier résidentiel d'Albertville découvrent avec stupeur que leur voisine Virginie Labrosse a conservé dans son congélateur les cadavres de ses trois nourrissons morts en 2001, 2003 et 2006. Personne n'aurait pu imaginer que cette jeune femme de 36 ans, discrète, souriante et qui adorait les enfants des autres, cachait un tel drame derrière les murs de sa villa proprette. Ni ses amis, ni même son compagnon n'ont vu qu'elle était enceinte. Face à l'horreur, la jeune femme, elle, a immédiatement avoué. Elle avait placé les nouveau-nés, avec le placenta toujours, dans des sacs plastiques avant de les placer à l'intérieur du compartiment en congélation de son réfrigérateur. Donc de 2001 à 2007, elle a dû gérer la congélation, la décongélation de trois corps. Inculpée de meurtre sur mineur de 15 ans, Virginie Labrosse encourt la réclusion à perpétuité. Cette sordide histoire en rappelle une autre, l'affaire dite des bébés congelés qui a défrayé la chronique l'an passé en France. Véronique Courgeot, une mère de famille apparemment modèle, épouse d'un expatrié, a étouffé puis placé ses deux bébés dans un congélateur en Corée du Sud. C'est un cauchemar. Mais c'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Voilà. Après avoir nié, elle aussi avoue l'impensable et révèle même avoir supprimé un premier bébé alors qu'elle habitait en France. La Suisse connaît aussi ce type de drame. On se souvient notamment en 2003 de cette jeune femme de 20 ans qui a enterré son enfant dans la forêt après avoir accouché seule dans ses toilettes. Des crimes stupéfiants, fascinants, qui ont inspiré à Mazarine Pinjot son dernier livre, Le cimetière des poupées. Ces faits divers mettent en lumière un phénomène jusqu'ici méconnu, le déni de grossesse par lequel la mère refuse l'idée d'être enceinte. Un phénomène qui n'est pas si rare, une à trois naissances sur mille et qui touche, contrairement à ce que l'on pense, des femmes de tout milieu et de tout âge. Comment l'impossible est-il possible? Comment peut-on ne découvrir sa grossesse qu'à l'accouchement? Autant de questions auxquelles tente de répondre Gaëlle Garnalec-Lévy. Âgée de 33 ans et mère d'un petit garçon, cette journaliste au magazine Parents a publié ce printemps chez Stock la première grande enquête sur le sujet intitulée « Je ne suis pas enceinte ». Un livre bouleversant et troublant, le fruit d'un travail de 3 ans durant lesquels Gaëlle Garnalec-Lévy a recueilli le témoignage d'une dizaine de femmes qui toutes ont porté dans leur ventre un passager clandestin. Gaëlle Garnalec-Lévy, ce qui est important de dire au préalable, hein, pour qu'on comprenne bien ce dont on parle, c'est que les femmes qui font un déni ne dissimulent pas, elles ne cachent pas leur grossesse, elles n'ont pas conscience d'être enceinte. Tout à fait, c'est au niveau de l'inconscient que ça se passe. Le déni, c'est un mécanisme de défense qui permet à un sujet d'éviter la perception d'une réalité traumatisante. Donc le déni de grossesse, c'est le fait pour une femme de ne pas avoir conscience de son état de grossesse. Parfois jusqu'au terme, jusqu'au moment de l'accouchement. Donc on n'est pas du tout dans la dissimulation. Et contrairement aux idées reçues, ça ne touche pas que les adolescentes démunies, les marginales ou les malades mentales. Exactement. C'est ça qui fait l'aspect absolument passionnant du sujet, c'est que ça touche tout type de femmes. Donc on a des femmes qui sont tout à fait insérées socialement, des femmes qui ont fait des études, des femmes qui sont mariées. On a des toutes jeunes femmes aussi. On a des femmes qui ont 20 ans, 30 ans. 40 ans, et puis on a des femmes qui ont déjà eu des enfants. Okay. Vous dites d'ailleurs que le mérite, entre guillemets, de l'affaire Courgeot, c'est d'avoir montré précisément que ça peut toucher des femmes bien insérées socialement et des mères de famille, oui, de surcroît. Oui, c'est effectivement le mérite de l'affaire Courgeot. C'est qu'avant l'affaire Courgeot, on ne parlait pas du tout du déni de grossesse. Pourquoi? Parce qu'on avait cette idée dans la tête que ça ne concernait qu'une partie de la population très marginale. Et donc ça n'intéressait personne. Le couple Courgeot, c'est un couple de notables, petite bourgeoisie de province. Et donc là, tout à coup, les gens se sont dit, c'est possible. On peut s'identifier. Oui. Voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser tout de suite, c'est que si l'affaire Courgeot a permis de réactualiser le phénomène de déni de grossesse, pour autant, cette affaire, comme l'affaire Labrosse d'ailleurs, ne sont pas très représentatives du déni de grossesse. Non, parce que pour un point essentiel, c'est qu'il y a réitération. Là, on a, dans les deux affaires,
trois bébés. Donc c'est vrai que c'est plus difficile, plus complexe de parler de déni de grossesse. On peut en parler pour un cas, deux, trois cas, c'est difficile. Ce qu'on retrouve dans ces deux affaires, en revanche, c'est l'invisibilité de la grossesse. Des grossesses invisibles, personne n'a vu. Personne n'a vu. Donc il y a quand même un mécanisme très puissant qui s'est mis en place au moment des grossesses pour que ces grossesses ne se voient pas. Alors comment c'est possible ça, qu'une grossesse ne se voit pas à l'heure d'aujourd'hui où la maternité est quand même plutôt maîtrisée? Une grossesse ça se voit, on a un ventre qui s'arrondit, un bébé ça bouge dans le ventre. Oui, c'est très juste de parler du contexte parce que la maternité est maîtrisée, surtout elle est visible, elle s'exhibe. Hein. On est dans une société aujourd'hui où on sacralise un petit peu cet état de grossesse et c'est très bien. Donc on a du mal effectivement à s'imaginer que certaines femmes vivent une grossesse et que ça ne se voit pas. Ben, c'est très simple, c'est comme si le corps se faisait complice de ce processus psychique qui se produit dans l'inconscient. C'est-à-dire que parce que la femme ne se pense pas enceinte, ne se sent pas enceinte, se sent surtout incapable d'être enceinte, le corps accepte cette idée. Et donc le bébé se positionne de façon très différente. Il joue à cache-cache avec les organes. Donc il va se positionner très haut dans la cavité utérine, parfois sous les côtes, parfois il va s'allonger le long de la colonne. Et donc ces femmes n'ont pas du tout ce ventre proéminent de la femme enceinte. Hein. Elles ne ressemblent pas à une femme enceinte. C'est vertigineux. Ce qui est fou aussi, c'est que le déni est contagieux. Personne, pas même les conjoints, ne voit ces femmes enceintes. C'est un processus qui s'auto-entretient. Comme la femme ne se sent pas enceinte, ça ne se voit pas. Comme ça ne se voit pas, personne n'est là pour lui dire « tu es enceinte ». Parce que la grossesse, ça n'est pas qu'un état physiologique, c'est aussi un état psychique et c'est aussi un état sociétal. On est enceinte à travers le regard des autres. On est enceinte à travers notamment le regard de son conjoint. Donc quand le conjoint ne nous voit pas enceinte, on ne se sent pas enceinte. Et donc comme ça, ça peut perdurer très longtemps, 7, 8, 9 mois. Alors ce que j'ai un petit peu plus de mal à croire en revanche, c'est que même le corps médical, vous dites souvent, ne voit pas la grossesse. Vous racontez par exemple dans votre livre, le cas de Julie qui arrive en urgence à l'hôpital et où on diagnostique une colite néphrétique alors qu'elle est en pleine phase de travail. Ça paraît assez surréaliste. C'est un grand classique. Ça, ces femmes qui se présentent aux urgences parce qu'elles ont des maux de ventre, des douleurs lombaires et qui ont face à elles des médecins qui disent, bon, bah, colite néphrétique. Donc là, on donne un médicament. On dit ça va passer. Puis comme ça ne passe pas, au bout de 2-3 heures, et pour cause, là, il y a un médecin à un moment donné qui dit ah ben, on va peut-être quand même faire un test de grossesse, peut-être que vous êtes enceinte. Et le cas de Julie, c'est ça. Le médecin fait un test de grossesse, il lui dit oui, effectivement, vous êtes enceinte, vous devez être au début, vous faites une fausse couche. Voilà. Et puis, ils font quand même une petite échographie. Et là, à l'échographie, les médecins se tournent vers Julie et lui disent mademoiselle, vous êtes à terme. Et effectivement, une heure plus tard, elle accouche d'un bébé qui fait plus de 3 kilos. Alors le grand mérite de votre livre, hein, Gaëlle Garnier-Lévy, c'est qu'on sort vraiment du fait divers forcément brutal et monstrueux pour entrer dans la souffrance et la détresse extrême de ces femmes. Quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué? Vous avez vu une dizaine de femmes. Oui, alors il y a d'abord une affaire qui m'a beaucoup marquée parce qu'il me semble qu'elle montre bien ce qui peut se produire à ce moment très particulier de l'accouchement quand on n'a pas eu conscience de sa grossesse. Hein, c'est l'histoire de Karine, qui est une femme de 35 ans, qui n'est donc pas une toute jeune femme, une adolescente, qui a déjà eu un bébé qu'elle a attendu, qu'elle a désiré, qu'elle a voulu. Et lorsque ce bébé a un an, là elle accouche d'un deuxième enfant, mais c'est une surprise totale. C'est-à-dire qu'après le premier enfant, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était enceinte. Elle s'est sentie un petit peu fatiguée. Elle a mis ça sur le compte d'une petite déprime. Elle a senti qu'elle s'arrondissait un petit peu, mais pas au niveau du ventre, qu'elle grossissait. Et elle s'est dit, bon, je mange trop. Et puis un soir, le 30 août, elle se lève, elle va aux toilettes parce qu'elle a une envie pressante. Elle arrive aux toilettes et là, elle ne parvient pas à uriner. Elle se dit, tiens, demain, je vais aller voir un médecin, je fais encore une infection urinaire. Et au moment où elle se relève, là, elle sent une pesanteur dans son bas-ventre. Elle regarde entre ses jambes et elle voit une tête. Et donc à ce moment-là, elle dit, j'ai senti quelque chose de démesurément long qui sortait. Elle a attrapé ce quelque chose qu'elle a tiré, qu'elle a mis devant elle. Et le quelque chose s'est mis à pleurer. Et là, elle s'est dit, tiens, c'est un bébé. Et instinctivement, elle a compté le nombre de doigts, les orteils. Elle a pris ce bébé contre elle. Elle a mis son t-shirt contre lui. Et voilà. Elle a eu le bon réflexe, c'est pas toujours le cas. Elle a eu le bon réflexe. Et oui, en général, ça ne se termine pas du tout comme ça, parce que les femmes ne sont pas en capacité d'avoir ce réflexe-là. Voilà. Alors, ce qui est frappant, c'est de voir que toutes les femmes emploient quasiment les mêmes mots pour décrire ce qu'elles ont vécu. Mais par contre, pour chaque cas, il y a une explication différente. Oui, c'est-à-dire que le déni s'explique pour des tas de raisons. Il y a presque autant d'explications qu'il y a de cas. C'est-à-dire que pour certaines femmes, on comprend très vite pourquoi le déni s'est mis en place. Soit parce que c'était l'enfant de trop. Des femmes qui sont hyper fertiles, qui ont déjà 3, 4 enfants, qui prennent une contraception et qui se retrouvent enceintes sous contraception. Et il arrive un moment où l'enfant qui arrive
Ce n'est plus possible. Mm-hmm. Il y a aussi l'enfant impensable, ou des femmes qui pensaient ne jamais pouvoir être mère, qui ont eu un long parcours d'infertilité, et tout à coup sont enceintes et sont incapables de se sentir enceintes parce que dans leur tête, elles avaient fait le deuil de cet enfant biologique. Mm-hmm. Puis vous avez les femmes qui ont un enfant avec un homme qui n'est pas leur compagnon officiel. Mm-hmm. Et donc c'est, le bébé c'est, voilà. c'est le bébé de la honte. Vous disiez avec Karine, hein, tous les dénis de grossesse forcément ne se terminent pas par la mort de l'enfant, fort heureusement. Qu'est-ce qui fait que certaines s'en sortent mieux finalement? Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est une question, à mon avis, primordiale, à laquelle finalement j'ai très peu de réponses. Parce qu'effectivement, je me suis demandé pourquoi, lorsqu'une femme accouche toute seule chez elle, il y a des cas où ça bascule, c'est-à-dire où elle laisse l'enfant mourir, ou bien où elle le tue. On a les deux cas de figure. Et pourquoi, dans certains cas, la femme, comme Karine, a les bons réflexes et devient mère presque tout de suite. Mais quand on accouche seule, c'est souvent à haut risque. C'est une situation à haut risque. C'est-à-dire que la femme est complètement en état de choc. Elle est en état de choc et le déni d'enfant fait suite au déni de grossesse. C'est-à-dire cet enfant qui arrive, qui est vivant, dans la plupart des cas, c'est un enfant tout à fait viable, elles sont incapables de le percevoir comme un enfant. Mmh. Elles parlent d'une chose, d'une boule, elles disent qu'elles l'ont vu tout bleu, qu'elles ne l'ont pas entendu crier, elles utilisent... Quasiment tous les cas, elles utilisent les mêmes mots. Elles ne le voient pas vivant. Donc ce que vous dites, c'est que quand il y a mort de l'enfant, c'est plus finalement le résultat, j'allais dire, d'un processus implacable, d'un enchaînement bien de circonstances, bien que la volonté de tuer. Bien sûr, d'ailleurs, tous les experts s'accordent sur ce point. Ils disent tous, dans les cas de néonaticide, c'est-à-dire dans le cas du meurtre de l'enfant à la naissance, il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de préméditation, il n'y a pas d'intentionnalité. Mmh. Mais c'est... en même temps, est-ce qu'en refusant la grossesse et donc de donner la vie à l'enfant, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas parler de préméditation inconsciente? Ah, on peut parler de préméditation inconsciente, mais sur le plan juridique, ça ne tient pas. Et ces femmes, à aucun moment, ne se disent pendant leur grossesse, quand je vais accoucher, je prendrai cet enfant, je le tuerai, je le mettrai dans un sac, je m'en débarrasserai. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Tout le long de la grossesse, cet enfant n'existe pas. Mmh. Elles font comme si ça n'existait pas. Ils s'envolent. D'ailleurs, des femmes qui disent, à un moment donné, j'ai eu conscience que j'étais enceinte, je m'étais dit, ce sera à ce moment-là, je vais accoucher là, et puis comme l'accouchement n'est pas arrivé, je me suis dit, oh ben non, finalement, il est parti. Cette idée que l'enfant... part tout seul. Mmh. Et donc quand elles sont confrontées à la réalité, quand tout à coup elles reviennent brutalement à la réalité avec cet accouchement, là c'est la panique. Alors on en vient justement à parler de l'aspect judiciaire. Dans le chapitre consacré à la justice, vous devenez assez militante, hein, vous dénoncez ce que vous appelez la loterie judiciaire, et pour vous très clairement la prison n'est pas la bonne réponse pour ces femmes. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi la prison, peut les aider, elles. Je pense que la réponse à apporter est une réponse plutôt psychothérapeutique ou médicale. Et surtout, ce qui me choque, c'est que beaucoup de ces femmes, un grand nombre de ces femmes, se retrouvent en prison 24 à 48 heures après l'accouchement. C'est la détention provisoire. Or, normalement, la détention provisoire, ça doit demeurer l'exception. Mais il y a débat sur la question. Hein. Certains experts psychiatriques, spécialistes du déni, disent au contraire que finalement, cette procédure judiciaire permet à ces femmes de revenir à la réalité, de prendre conscience de la gravité de leur acte. Voilà, ils disent deux choses. Ils disent effectivement que ça permet à ces femmes de revenir dans la réalité, de comprendre que cet enfant a existé, que donc ce serait pour leur bien à elles, qu'il faudrait les punir, les mettre en examen, les sanctionner, les emprisonner. Et puis la deuxième chose, ils disent, c'est un acte très grave, donc il faut punir. À la première réponse, l'aspect on va rendre service à ces femmes en les mettant en prison, je pense que la prison ne sert pas à ça. On a des problèmes de prison surpeuplée en France. J'imagine que c'est pas la peine d'encombrer les prisons avec ces femmes qui, je pense, n'en tirent aucun bénéfice. Je crois qu'il y a surtout une question morale. Effectivement, l'acte est grave. Et en ce qui me concerne, il ne s'agit absolument pas de dire que la mort de ces bébés n'est pas grave. C'est terrible. Mais j'ai plutôt le sentiment d'un gâchis. Et je me demande à qui on veut rendre justice lorsqu'on met en examen ces femmes et lorsqu'on les renvoie devant une cour de justice pour le crime le plus grave en France, l'homicide volontaire sur mineur de 15 ans. Eh bien, très bien, ça sera le mot de la conclusion. Merci en tout cas, Gaëlle Gardin-Hertzévy, d'être venue de Paris pour être avec nous sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Je ne suis pas enceinte, enquête sur le déni de grossesse, paru chez Stock. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.